Coucou YouTube, Rasupé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon serveur Arma 3 Life. On est au petit stand de tir. Voilà, on s'entraîne un petit peu. Le son est tellement classe. On s'entraîne un petit peu, on a un Taurus Ragging Bull Black. Donc c'est pas une arme... voilà, c'est pas une arme d'amateur. Elle doit faire au moins 25 kilos. Et on va aller chasser. Regardez-moi comme elle est belle. Eh, dirait Mamite. On va aller chasser avec les gens. Et on va aller chasser avec le gros 4x4. Mais on va essayer d'en piquer un plutôt. Parce que il est vraiment pas solide. Ça jette en X, pouf pouf. Donc... Mais non, mais pourquoi il est encore de travail? Je suis sûr, j'ai un pneu qui est crevé. C'est quoi? On va aller changer de voiture tout de suite. Parce que... Ah non, c'est bon, il a rien. Bon, on va aller changer de voiture. Ah, il y a le concessionnaire Ferrari. On va chercher une Ferrari. Oh, pour chasser, c'est nul à chier. Concessionnaire de camion, sinon. On va aller au concessionnaire de camion. Tellement classe. On va aller changer de véhicule parce que ce 4x4 il est vraiment pas très solide et vu que je roule un peu mal. Bon, déjà on va aller voir s'il n'y a pas moyen de trouver une autre bagnole vu que j'ai des lockpicks et après on ira chasser. Ok. Ok, un petit accident. Oh, c'est tellement classe la petite caserne de pompiers. C'est Bibi qui l'a posé à la main. Watch. Et l'autre il... Oh, le raccourci de la mort, quoi. Ok. Ça marche. Parce qu'en fait, j'ai bloqué les accès, là. Avec la construction de la caserne de pompiers, j'ai bloqué les accès. Mais je me rends compte qu'en fait, tout le monde roule n'importe quand. Quand j'ai juste baissé le son, parce que c'est... Ah. C'est beaucoup plus agréable. Donc, voyons voir. On va voir ce qu'il y a en camion. Voilà, hop. On va se mettre... non, faut plutôt se mettre là-haut parce que ça spawn vers là, en fait. Voilà. D'ailleurs, un truc que je suis en train de faire, que je vais noter sur le Google Doc pour pas oublier. Bienvenue à ceux qui arrivent, les gens, pouf pouf, qu'il est pouf pouf. Le pont n'est pas cassé, les gens. Il a été debug, vous pouvez aller dessus. Je vais noter un truc, vu que j'y pense. C'est en ce moment, quand je map, je mets des pastilles de couleurs. En fait, c'est des lumières sur les points de spawn des bagnoles. Alors, c'est peut-être pas très RP, mais au moins, ça évite de se merdouiller. Donc, je vais mettre pastilles... Vendeur camion. Voilà. Et je vais mettre vérifier Raptor parce qu'il y en a deux et c'est bizarre. Hop là, c'est mis. Et ça va là. Voilà. Donc du coup, je mets des pastilles de couleur sur les points de spawn. J'ai fait ça dans les commissariats. Oh, regardez, une charge d'explosif a explosé. La banque est en train de se faire braquer. Allô, la banque? La banque est en train de se faire braquer, les gens. On va aller voir. On va aller voir ce qui... Attends, mais moi, je me balade avec mon arme à la main, quoi. Les armes sont autorisées si on a la licence. Donc, permis de port d'armes. Par contre, c'est interdit de les avoir en main. C'est uniquement pour la défense. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Fourgon caisse, F-350, le camion américain. GMC Vendura. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va le prendre en noir. Waouh! Oh, trop classe! Le petit van Scooby-Doo, les gens. Regardez-moi comme il est beau. Oh, ça fait tellement brillant! Attends, est-ce que j'ai fermé ce véhicule? Ouais. La petite Subaru gendarme. Attendez, on va aller voir le braquage de banque, ça m'intéresse. On va se rapprocher. Et pour être sûr, on va mettre... Voilà, on va faire ça. Pour éviter les soucis. Parce que j'ai pas envie d'être emmerdé par la police. On va aller voir ce qui se passe un petit peu. Parce que j'ai pas testé le braquage de banque encore. Voilà. Donc je mets tout ce qui est illégal dans le camion. Waouh, mais le van Scooby-Doo, quoi. Ah, il est tellement stylé. Oh là là, ça m'a l'air d'être un de ces bordels. Ça m'a l'air d'être un de ces bordels. On va aller voir ça. La banque qui se fait braquer. Alors en fait, la banque ne se fait pas vraiment braquer. En fait, ils ont utilisé de l'explosif
pour faire exploser le coffre. Waouh, je conduis tellement mal. Alors là, on voit qu'on rentre à Lakeside. On descend à 20 FPS. Voilà, la banque est là. Waouh, en plus, c'est une nouvelle banque. On va reculer un peu. Le mode pas discret. En plus, c'est une nouvelle banque qui a été mise. C'est plus celle d'avant. Regardez, c'est écrit banque dessus et tout, avec les ATM devant. C'est tellement classe. Donc, on voit le gars armé. À mon avis, ça devrait grouiller de flics dans pas longtemps. Non, c'était pas un flic, ça. On va voir un petit peu ce qui se passe. Il y a 6 flics. Hatch. Eh, ça commence à arriver. Je sais pas ce qu'ils font. Enfin, en même temps, ça fait vachement discret. Le van noir posé à côté en mode... Ouais, bien pervers, exactement. Bien pervers, exactement. Ça fait bien... Bien... Bien mec normal, comme ça. Le petit van. Regardez. Je coupe le moteur avec les feux éteints. Qui est posté comme ça à côté, prêt à y aller pour... Enfin, pour faire je sais pas quoi, parce que je sais même pas ce qui se passe. Mais voilà. Bref, allez, on va les chasser. Ouch. Ouais, il y a des bagnoles de police un peu partout pour empêcher la fuite. Pour aller chasser, il faut retourner jusqu'ici. Donc en fait, il faut retourner vers l'armurerie. Allez, hop, on va y aller. What? Il y a un gars, il est en train de défoncer là. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un gars. Je sais pas si vous avez vu. Il a défoncé le F-350 des mecs. En fait, la police, ils sont là-haut. Ils sont 3 ou 4. Qu'est-ce qui se passe? Bah là, on va les chasser. C'est marrant ce qui se passe ici, des fois. Oh, le fou! Comment il a explosé le F-350! Pas de respect, les gens. Y'a pas de respect. Allez, hop, nous on fait le tour. Nous on est un mec gentil, les gens. Nous on est un mec gentil. On va faire ça et on va faire ça. Bon, je roule un peu n'importe comment, mais bon. Dieu me pardonnera, c'est un ami. Allez, hop. Oh là là, c'est tellement stylé. Par contre, conduire comme ça, je pense que c'est le meilleur moment, c'est le meilleur moyen pour mourir, en fait. Allez, hop. La petite caserne de pompiers. Voilà. Donc là, j'ai barré la route. Et là, vous voyez, j'ai barré aussi la route. On va mettre un peu d'argent de côté. Il faut qu'on est là. Ah si, c'est bon. Par contre, ce qui est bizarre... 1002... Merde, déposer. Est-ce que j'ai à bouffer au moins? Ouais, si c'est vrai, j'ai à bouffer. Ce qui est bizarre. Ah, voilà, je me disais bien que j'entendais un bruit de camion. Le petit FPT qui rentre à la caserne. Tellement classe. Donc voilà, bon, les brefs, on va aller chasser les gens. On va les détendre un petit peu en forêt. On va partir d'ici. Ouais, c'est vrai que c'était un peu flag, le petit van noir, mais bon. Moi, j'y suis pour rien, moi. Allez, passe. Hop, on est parti. On prend le petit raccourci. Taïo! Le petit van. Ah, il est tellement beau, ce petit van Scooby-Doo, là. Waouh! Les gens, ils roulent tellement vite. Ah bah, l'autre, il s'est carrément planté dans le truc. Il était en train de retourner sa voiture. Mais nous, on l'aide pas. Non, nous, on est un individualiste. On n'aide personne. Allez, hop, le petit van. Ça fait chasseur aussi, le petit van, je trouve. Le petit van Vendura, là, il est magnifique. Il vend du rêve. En plus, il est tellement bien stylé avec le reflet et tout. C'est magnifique. C'est magnifique. Il n'y a plus les tips. Non, j'ai viré les tips. Pour ceux qui veulent me soutenir, vous pouvez sub, les gens. C'est un sub maxi par mois. Donc, comme ça, vous économisez un peu d'argent. En même temps, vous avez accès à plein de bonus.
et bientôt à de nouveaux smileys. Donc la classe, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, attendez. Vous avez vu ce qu'il y avait? Est-ce que vous avez vu? Il y avait une Mercedes qui était abandonnée. Intéressant. Alors on est loin de tout, d'accord? Il n'y a pas d'ATM, il n'y a pas de ville, il n'y a rien du tout. What? Elle est ouverte? Qu'est-ce qui s'est passé ici? La moto, elle est fermée. La moto est vachement stylée, hein. Petite Ducati, mais j'ai pas envie de prendre la moto en fait. Je préfère chasser avec. Je préfère chasser. La Mercedes, elle est badass aussi, je pense. On va prendre la Mercedes. En plus, j'ai même pas besoin de la lock. Oh! Petit viseur MRCO et tout. Allez hop! Petite voiture gratos. Oh, c'est pas mal. Bon, certes, j'abandonne mon van. Mais entre nous, petite Mercedes, elle est cool aussi. C'est bête, ils ont pas pris la version avec aileron. C'est bête. Je trouve la version avec aileron beaucoup plus jolie. Mais bon, c'est pas grave. Les goûts, les couleurs. Greg, pouf pouf! Pouf pouf! Non, la moto, les gens, pour chasser, c'est pas terrible. Ce que je veux, c'est. Enfin, il y a certaines bagnoles, elles sont pas terribles pour aller dans les coins comme ça. Et elle, la Mercedes, elle est plutôt sympathique. Voilà, ça fait un peu richou. En plus, ça cartonne bien et tout, c'est parfait. Allez, hop, on va les chasser. En espérant qu'on trouve des choses, les gens. Qu'est-ce qui se passe? Merci, Ra. De rien, Elise. C'est cadeau. C'est cadeau. Je suis remboursé par la sécu. Alors, hop là. Voilà. Alors, la chasse, au début, tout le monde en faisait. Après, ça a été. Donc là, normalement, on devrait peut-être pouvoir chasser tranquillou. Dans une voiture qui est pas à nous. Donc si on se fait contrôler par la brigade anti-chasse, par l'ONF, disons qu'on aura un peu de mal à expliquer ce qui s'est passé. J'ai un problème. Bah, go forum. Allez, hop. Ouf. Oh! Eh, même pas à sortir de la voiture. Hop là! La poulette! La poulette, c'est par ici. Bon bah ça va. C'est à côté. Alors il y a certaines bestioles qui sont un peu buggées. Les poulets sont buggés. Genre, on les voit pas mourir. Par contre, les moutons, il y a bien l'animation qui tombe et tout ça. C'est beaucoup mieux. Ouais, les gens, je braconne. En effet, c'est ça. Je braconne parce qu'en fait, là, vous voyez, j'ai du poulet. Et quand on regarde à la bourse, le poulet, ça se revend 440 $ l'unité. Donc c'est une vraie ressource, hein, ce que je suis en train de faire, c'est comme si je... Cockro, il est là même, Cockro. 440 l'unité. Donc c'est une vraie ressource, comme le pétrole ou autre. Sauf que c'est une ressource enfin, c'est une ressource illégale, comme certaines autres, en effet, c'est ça. Allez, hop. Sauf que c'est un peu plus risqué, en fait, parce que, genre, la police peut venir ici, et puis peut input les bagnoles. Ah, regardez. La chèvre. Hop là. Genre, quand je l'écrase, il se passe rien? Ah! Ça, c'est de la chasse, les gens. Hop là, je la bats. Hop là, on est parti! Bon, alors, ça fait une chèvre, comme sur Wasteland, en fait. J'écrase les gens, c'est magnifique. C'est quoi le plus cher? Alors, la ressource la plus chère, en fait, il n'y en a pas vraiment, parce qu'il y a un système de bourse. Donc, en fait, si par exemple, la ressource la plus chère du serveur, c'est l'or, si tout le monde. What? J'ai cru que c'était un lion. En fait, si la ressource la plus chère du serveur, c'est l'or, si tout le monde fait de l'or, la ressource va baisser. Et du coup, c'est une autre qui va monter. Donc en fait, on n'a pas de ressources. On n'a pas de ressources rentables réellement, en fait. Ce qu'il faut, c'est regarder sur la bourse et faire les ressources les moins faites. Et du coup, les moins faites seront les plus faites, et ainsi de suite, en fait.
Comme ça, les gens, bah, s'ils veulent gagner de l'argent, bah, ils testent un peu tout. Allez, hop, je vois qu'il y en a une autre là-haut. Hey! Oula, elle a glitché. On va aller voir si on peut pas la ramasser. Bon, c'est parfait. Il n'y a même pas besoin de sortir de la bagnole. À noter que la voiture là, on peut la mettre en warning. Regardez. Hop là. Les petits warnings. C'est trop stylé. Bon, allez, on va aller chercher la chèvre. Waouh, moins 50 km/h en marche arrière. Ah non, nice, elle est là. Hop là. Allez, hop, petite chèvre. Donc là, on doit être déjà à 1500, je pense, à peu près. Un petit 1500 de ressources. Pour, je sais pas, 5 minutes, même pas. Donc c'est plutôt stylé. Ouais, sniper américain, équipe, bien évidemment. Bien évidemment. Non, j'ai pas snap, les gens. Mais je compte pas l'installer. Allez, hop. Hop, 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 hop. Oh! Et comment j'ai fait pour le rater? Qui est devant moi? Bon, vous savez quoi? Il y a les bons chasseurs et les méchants chasseurs. Moi, je suis un bon chasseur. Allez, c'est quoi? Hop, je te tire dans le dos. Tant pis, je voulais lui mettre dans la tête, mais il se mettait à courir. Ah, donc voilà, donc en fait, faut venir ici. Hein. Réserve naturelle. Parce que c'est interdit ce qu'on est en train de faire. Oh, le revendeur d'or, il est là! Ah oui, c'est vrai! En fait, ceux qui braquent la banque, ils ont de l'or. Et après, il faut venir ici pour leur vendre. Oh, c'est trop stylé. Tellement stylé, le serveur. En plus, c'est le mien. Quand même plutôt badass. Allez, hop, en avant. Alors, est-ce qu'il y a des poupoules? Est-ce qu'il y a des poupoules? Est-ce qu'il y a des poupoules? Là, je viens de tuer le mâle. Peut-être que la femelle est pas loin. On va aller voir. Les femelles, c'est craintive. C'est un peu plus craintive, les femelles. On va essayer de la choper. Ouais, hop. Oh là. Où c'est qu'il y a des bestioles? Bon, alors forcément, je tue que ceux qui sont près de la route, hein. Sinon, c'est pas drôle. Mais sinon, je devrais aller me balader là-haut, sinon. Hein. Ah, regardez! Bam, le mouton! Eh oui! Oh non, elle est bloquée! Oh non, merde, c'est les fameuses bagnoles qu'il faut pas mettre dans l'herbe. Ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Genre, je l'ai pas tué, quoi. Cette tristesse. Les gens, je me mute. Bon, on n'est pas dans la merde. Parce qu'en fait. Tapatapata. Tapidez-moi. Fais chier. Putain, j'ai pris la seule bagnole qui était complètement niquée. Fais chier. Ça fait chier. Putain. En fait, il y a des mecs, ils devent des bagnoles. On va pas se plaindre. Hein. Les bagnoles, celle-là, on l'a eu gratos. Donc on va pas se plaindre. Mais bon. Enfin, je sais pas, tu peux faire une voiture tout terrain au moins. Je vois bien que c'est pas un 4x4. Mais bon, qu'est-ce qui l'empêche de rouler là, honnêtement? Les quatre roues touchent le sol. Alors certes, non mais regardez, enfin je sais pas, je comprends pas comment ça marche les bagnoles, mais pourquoi est-ce que là c'est non et là c'est bon. Enfin voilà, enfin certes c'est pas la même couleur, mais c'est une texture, tu vois. Ça qui est un peu chiant. Bon bah là on n'est pas dans la merde. Nelouk, pouf pouf, bienvenue jeune sub. Ça va être chaud les gens. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Je sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir vivant. Bienvenue à ceux qui arrivent, les gens. C'est juste l'herbe qui est buggée, je sais pas. Je sais pas si c'est l'herbe ou autre. C'est la map qui est buggée. Bah, comment ça se fait que certaines bagnoles roulent ici alors? Parce qu'avec certaines voitures, on peut aller où je suis, hein. Pour information. C'est ça qui est un peu bizarre. Les gens, je fais tourner les petits liens pub. Bam, c'est cadeau. D'ailleurs, les modos, si vous vous ennuyez, n'hésitez pas à le faire. C'est un peu votre rôle aussi. Bon, on est bloqué. On est bloqué, on est bloqué, on est bloqué. Il y a un mécanicien. Le temps qu'il arrive, je serai mort.
Après, je suis armé. Il y a moyen qu'on vole quelqu'un. Ou il y a moyen qu'on retourne ici reprendre mon van aussi. Bon, vous savez quoi? On va faire ça en deux étapes. Le poste de contrôle, j'ai le droit de le tenir. Je vais aller voir le revendeur d'or parce que ça m'intéresse. Je suis curieux, je veux voir ce qu'il y a. Et après, je descends sur le poste de contrôle. Voilà. Bon, ça fait chier parce qu'en fait, j'ai un peu d'argent sur moi quand même. On va prendre ça. C'est quoi son t-shirt? C'est un petit. Allez, ouais, ça fait un peu moins mafia en plus. C'est pas mal. Hop là, parfait. Voilà, comme ça fait un peu civil. Je vais juste mettre la casquette dans la bagnole. Voilà, pour faire vraiment civil. Donc là, c'est parfait. Et le truc Jiven, je vais le garder parce que si jamais il fait nuit. Merde, j'ai pas pensé à ça. On va mettre ça là. Hop là. Hop là. Hop là. C'est bon, la tenue est pas buggée, on peut mettre des choses. Ok, parfait. Bon, bah, let's go, tant pis, on est parti. Fu! Fu, 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 fu. Oh là, elle lose. Parce qu'en plus, c'est pas ma voiture, donc en fait, on va me dire, qu'est-ce que vous faisiez avec cette voiture? Bah, je sais pas, monsieur. Merci à ceux qui follow, les gens. Bienvenue, Mathilda. Welcome. Merci pour le follow. Bienvenue dans le clan, les gens. Bientôt 28 000. C'est beau. C'est beau, c'est beau. À quand 28 000 en stream, en direct, les gens? 28 000 viewers. Quand? Quand c'est qu'on fait ça? TP-toi, non les gens, on va se balader un petit peu quand même. Faut pas rigoler non plus. Faut pas rigoler non plus. On va marcher un petit peu, ça va nous faire maigrir. Allez, hop, 400 mètres. On est parti. Bon, je vous avoue, ça fait un peu chier quand même, hein. On va pas se mentir. Surtout que j'ai bien galéré à prendre la voiture que je voulais. Donc avant, j'avais un 4x4. Après, j'ai eu autre chose. Après, j'ai eu le van. Après, j'ai eu la Mercedes. Eh ben non. Pas bon. Donc bon, ça fait un peu chier. Donc là, il y a le vendeur d'or. Donc on va aller voir ce que c'est. Est-ce qu'il y a des mecs? Je vois un gars. On va aller voir, c'est peut-être le vendeur. On va aller voir ça. Donc là où c'est le vendeur d'or, c'est là où je trouvais que ça ressemblait à chez Trevor. On va aller voir ça. Peut-être qu'on va tomber sur les mecs qui ont fait le braquage en plus. Ça pourrait être bien marrant ça. Luke, t'as soif. Oh, bien joué. Bien joué, jeune Luke. Qui c'est qui a dit ça? Lucas 59 540, bien joué à toi, j'avais pas fait gaffe. Quoique j'ai toujours mes outils de crochetage. Donc en fait, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Le serveur il boot toutes les 6 heures d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, vous voyez les messages qui tournent souvent. Donc du coup, c'est parfait en fait. Ça permet de jouer correctement sans se faire chier avec les reboots toutes les 4 heures. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon allez, hop. On va voir le vendeur d'or, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Alors, lui, c'est le vendeur d'or. Je suis un vendeur d'or. Le mec, il est dans un buisson. Bonjour! Attends, et l'or se revend combien? Oh! Fu! Fu! D'accord, ouais, ça vaut le coup de braquer la banque. Je pense que c'est l'or la ressource la plus chère du serveur. Là, il y a un point, donc c'est 333 dollars 3 centimes. Moi, je suis en train de faire cette ressource. Donc là, la ressource que je suis en train de faire, c'est la moitié de la drogue, en fait. Ah, fu, quand même, hein. 50 000, t'as pas besoin d'en faire beaucoup, hein. T'as pas besoin d'en faire beaucoup. Bon, donc voilà le vendeur d'or. Si j'ai le temps, je referai un truc un peu plus badass. Voilà, on verra ça plus tard. Bon, maintenant. What? Cette map est tellement jolie. Regardez, la petite île avec le château, le petit yacht haut de beau gosse, la statue de la liberté. Enfin voilà, tellement classe. On va devoir se faire chier à tout traverser. Oh putain, la loose. La loose! Bon, on redescend sur le poste de... Quoi qu'il y a mon van qui est là-haut. Je redescends sur le poste de contrôle pour voir s'il n'y a pas des gens qui peuvent m'aider. Et on verra après ce qu'on fait. Voilà. Donc on va aller voir ça. On va aller voir ça, on va aller voir ça. Redescendons. Attendez. J'ai l'impression qu'il y a un bug.
Le syndrome GTA, on en parlait. J'ai besoin d'une voiture, il n'y a personne. Alors qu'il y a 20 civils. Bon. Comment vous dire? Comment vous dire que ça va être long? Ça va être long de rentrer à pied jusque là-haut. Il y a quelqu'un? Bonjour! 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 C'est mon van. Bonjour! Bonjour monsieur! Je voulais savoir, est-ce que c'est possible de me déposer où vous allez? Peu importe, vous allez où? Là, je vais aller toucher du diamant à Lakeside, monsieur. Vous allez à Lakeside? Ouais, toucher du diamant, si vous voulez, je peux vous déposer Ah là-bas. bah écoutez, je veux bien, je me permets, je vais monter. Ah. Bah c'est parfait, monsieur, Alors, qu'est-ce qu'il a en vous, monsieur? j'ai eu de la chance de vous croiser, parce que je me demandais, je me disais que j'allais devoir tout faire à pattes. Hein. Non, vous inquiétez pas. En fait, j'ai eu un peu peur parce que j'ai vu votre gilet, je fais l'armée. Ah oui, Je connais bien les merde! gilets pare-balles et souvent les pare-balles en utilisent, j'ai eu un peu peur. Ah non, mais en Je fait, c'est vous parce avais que la chance d'être je fais du tranquille, tir monsieur. sportif, monsieur, c'est pour ça. C'est vrai, j'avais mon Ah pare-balles, oui, et les pare-balles, vous êtes c'est à quel niveau interdit. là au niveau du tir sportif? Je suis régional, niveau de Lakeside, Lakeside. Voilà. Et j'espère passer en C'est national, pas mal. niveau Altis. J'aimerais bien être en ligue d'Altis. Un peu comme la ligue Pokémon, en fait. Ouais, après il y a le niveau Stratis, mais là c'est pas Ouais, mal là, du c'est tout quoi. chaud, c'est chaud. Et le niveau Stratis Wasteland, il est pas évident. Hein. Il est pas évident. Attends, il y avait pas mon van. C'est vraiment Ah dur. si, il y avait mon van. Vous faites quoi dans la vie, vous, Bon, tant monsieur? pis. bah, je suis entraîneur, en fait, avec les armes. Ah ouais, donc vous êtes plutôt calé niveau armes. C'est tellement classe les boules caisses, ça laisse bien la voie. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que j'ai mon pare-balles en fait. Je sais que c'est interdit, mais je préfère ne pas prendre de risque, une balle perdue, c'est si vite arrivé. Écoutez, sa voix comme elle est claire et tout. Ouais, monsieur, avant j'étais dans la mafia à cause d'un Nostra. Et C'est je peux vous dire que parfait. j'en ai reçu des balles. C'est parfait, J'ai c'est mes parfait. services Je aussi. regarde s'il n'y a pas un enfant derrière. Ouais, c'est ce que je regarde. Ouais. Non, c'est pas mon van. Mon van était sur le côté en fait, on est passé devant. Du coup, je vous laisse au traitement de diamant si ça vous dérange pas. Il est où le traitement de diamant? Sinon, je vais demander de m'arrêter près du concessionnaire Ferrari. Monsieur, Ouais, c'est pas de soucis, vous. pas de soucis, allez-y, arrêtez-moi où vous voulez, D'accord. c'est pas grave. Attends, Monsieur, vous il est avez fait un où? malaise, vous avez Il fermé est où les yeux ton pendant 5 traitement de secondes. diamant? Ah, traitement de diamant, ah bah c'est Ça, vous faites parfait! pas de la moto ou quelque chose comme ça, vous? Ah non, malheureusement j'ai perdu mon permis, je me suis fait flasher à 399 km/h, donc bon, j'ai perdu mon permis de Voilà, vous avez conduire. une Hayabusa, monsieur. Ouais, bah en fait j'en avais deux et j'ai mis les deux moteurs sur la même moto en fait. Oh putain, Je vous avez me plus de 1000 pose. chevaux avec tout ça. Ouais, et puis je vous raconte pas les flammes que ça faisait. Hein. Bah parfait monsieur, je vous remercie, bonne journée. Pas de problème, monsieur. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir. Ouais, putain, puis j'ai mon arme et mon pare-balles. Pour info, le pare-balles est interdit pour les civils. Donc, mafia, c'est des civils, hein. Mais la mafia peut en acheter. Voilà, mais c'est interdit, faut le savoir. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Attends, il y a le concessionnaire Dodge, là. On va aller voir le petit concessionnaire Dodge. Non, attendez, tu sais quoi, on est là. On va aller retirer de l'argent. De toute façon, il faut qu'on achète une bagnole, on n'a pas le choix. Donc, on va aller faire ça. Et les gens, on fera ça dans la prochaine vidéo. Voilà, tout simplement, on va tester la banque. Je me dis que ça peut être marrant. On va voir, on va voir, on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Braquage réussi. Ah ouais, Loïc, t'as réussi. On revend l'or. Putain, mais on a dû se croiser en fait, parce que moi j'étais au revendeur d'or juste avant. C'est quoi? On va checker Loïc, vu qu'il a dit qu'il avait réussi. On va aller voir où c'est qu'il est. Loïc. Oh putain, trop stylé, regardez-moi les mecs. Oh les fous. Avec les HMTT, les bagnoles, les véhicules et tout ça. Attention. Attention. En fait, on a failli croiser les gars qui. On a failli croiser des mecs là en fait. On n'aurait pas eu l'air bête vu qu'on était tout seul en fait. Bon, parfait, les gens, c'est ça tu pour cette vidéo. A plus dans le bus, c'était un super, tout bien. Tchouf! Disparition.